commence à faire un petit tour là, à prévoir un petit peu, voir ce qui se passe, et puis après je vais certainement débrancher. Bon, mais je vais te laisser voir en 1551 et puis tu vas débrancher. Je vais faire un tour hier soir, oui, il y avait un peu de monde, 495. Bon les amitiés, bonne soirée, et puis je te dis à demain, et peut-être un bon contact, peut-être tu vas faire du dig, ça c'est... Câble réseau
ça, et puis tu tiens un long câble d'antenne, c'est pour juste prendre la réception, c'est moins gênant. Un câble en 6 mm double blindage, voilà, tu tires ça jusqu'à l'intérieur de la maison. Donc, du coup, ça me permet d'utiliser le même chemin de câble que celui qui est déjà existant pour mon antenne, pour la Mantova. Donc, ça ne te fait aucun trou nulle part. Ça les doigts dans le nez, en théorie, voilà. Donc bientôt, vous ne pourrez plus savoir quand j'ai le poste allumé. Et parce que le laser marchera tout le temps, voilà. Thank you.
Ok, non mais je sais pas, je tombe sur, sur Christian là, qui te, que tu puisses dire à Florian comment tu le ressens à toi. Apparemment, il n'y a pas grand monde qui s'entend. Dans le coin, vous voyez que je
Thank you.
Attention les stations en fréquence pour Dindy 33 qui lance appel 14 Delta Romeo 33, 14 ODR 002. Attention les stations en fréquence là, pour le QSO national du canal 27 du dimanche matin. Et 73 Eric, là je savais pas trop s'il y avait du monde ce matin, apparemment si. Comment vas-tu? Oui écoute, ça va, je te remercie, il n'y a pas de soucis, voilà. Bon, j'étais à l'écoute parce que hier soir on s'est retrouvé avec, on était que deux ou trois couillons et encore deux, on est resté à deux fois deux. Alors ça a été bref. Oui, plus t'oublies quelqu'un, un perturbateur qui était de mon côté. À 9 plus 40, évidemment. Ouais, mais écoute, hier soir, il y avait Michel, à tour de contrôle. Christophe de Lagoire, qui restait pas trop trop longtemps. Et puis, moi-même. Voilà, donc, c'est tout ce qu'il y a eu. Oh ouais, ben, c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais tenté là, de prendre le micro. Ah putain, d'un seul coup, je vois plus 40. Là, j'ai commencé à prendre du bouilli. Je me suis dit, c'est même pas la peine. Oui, comme tu dis. Bon, à part ça, ça va? La semaine s'est bien passée? Ah, tu m'étonnes, après deux semaines et demie de vacances, là je suis reparti au taquet, quoi, puisque, ben tu vois, là il n'y a que, qu'aujourd'hui, là, qu'à partir d'aujourd'hui, là que je suis en repos, quoi. On marque après deux semaines et demie de vacances, je peux aller bosser quand même, hein, hachi. Ouais, bon, mais il n'y a pas de souci. Voilà, je sais pas, s'il y a du monde derrière, allez-y. Hein. Salut les stations. Ouah, mon voisin, enfin l'un de mes voisins un peu plus éloignés, les 73 à toi, comment vas-tu? Super, je reste pas longtemps, je vous fais juste un petit coucou, je suis invité à midi, il faut vite que j'aille me préparer, voilà, j'arrive de faire un peu de sport, voilà. Salut Rémi, salut Eric, et bon 73 à vous, ça fait plaisir de vous entendre, voilà, mais je reste pas, hein, c'est juste pour vous faire un petit coucou. Voilà, retour Rémi. Ok, ça a été avec le vent, parce que là ça souffle, hein, d'après ce que m'a dit mon YL, il y aurait des vents de 120 km/h d'annoncés là, sur le sud-ouest. Putain, ça a dû... Marc, ça m'étonne pas trop, parce que j'ai eu plusieurs micro-coupures de courant là au QRA. Ouais, je me suis fait chier, putain, franchement, ouais, c'était pas bien, bande de face, j'ai fait 37 bornes, je suis vraiment emmerdé, quoi. Voilà, bon, ben c'est pas grave, ça fait plaisir quand même, une petite sortie, tu sais, ça fait du bien faire un peu de sport, voilà. Voilà Eric, ben, 73, si tu m'entends, logiquement tu dois m'entendre parce que moi je t'entends. Voilà, salut Eric, retour. Ok, j'ai pas trop reconnu, c'est qui, c'est notre ami de Calgon? Yes, c'est moi, Florent de Galgon, 73 Eric. Ok Florent, mais 73, hein, j'espère que tu vas bien et puis que tu vas passer une bonne semaine aussi et puis que ça se passe bien le vélo. Ouais, nickel, voilà, il est rangé et jusqu'à peut-être demain matin, un petit tour encore, je vais voir. Je sais pas, c'est suivant comment je me lève, comment je suis, en forme ou pas. Voilà, ben Rémi, ben écoute, ben, je sais pas, il doit pas avoir, mais je crois qu'il y a vous, il y a que nous trois, hein. Bientôt vous deux, parce que ben, je passe en QRT, voilà, faut que j'y aille. Trop loin, je vais me faire engueuler. Voilà, pas engueuler, non, pas engueuler, mais bon, voilà, faut que je sois prêt. Voilà. Allez, à plus, les amis, et puis bon dimanche à vous. Allez, ciao. Ok. Moi c'est pareil, sauf que je vais rester un peu plus longtemps quand même. Mais ce midi j'ai de la famille qui vient manger là au QRA également. Mais je reste quand même là. Allez, va prendre ta douche, parce que là, ouais, ça sent un petit peu là dans le coin là. Chie. A plus Florent. Ah c'est Rémi, il me fait rire. Ça fait plaisir de t'entendre.
t'entendre, Rémi. Franchement, ça fait plaisir. Voilà, c'est cool. Salut Eric, et puis à bientôt les amis. Ciao. Ok Florent, ben, écoute, bonne journée à toi aussi. Merci de ton petit passage. Ok, merci Florent, à plus. Et Rémi. Oui, je t'écoute. Alors justement, j'en ai une bonne là de sortir. C'est pas spécialement moi qui l'a vu, c'est YL sur son téléphone. Alors si son téléphone est aussi futé qu'elle, ça promet. Hein. Parce que j'ai regardé moi sur le site Météo France, déjà bon sur l'île Nord, moi j'ai regardé, mais il n'y a pas de vent de 120 km/h. Hein, voilà. Le plus qu'il annonce, je crois que c'est encore jusqu'à demain. Demain, c'est des rafales à 60 km/h, 65, mais pas plus. Ouais, j'ai compris, quoi. Elle a appliqué la règle du multiplié par deux, quoi. Ouais, bon, on est toujours en vigilance orange, j'ai dit, mais parce que là, 120 km/h, t'imagines. Ah oui, c'est pire que la visa, là, pour le coup, hein. Attends, je me demande si des fois, ça serait pas sur... Ah ben non, la chaîne météo, je l'ai pas. Oh, mais si elle se trouve, c'est peut-être... Attends, je regarde ça. Bonjour, Eric, ça va? 73, Richard, j'espère que tu vas bien. Ça va. Je me doutais que j'allais te trouver un peu. C'est un dit que j'entends le fond? Oui, affirmatif, 73, Richard. 73, Dundee, ça va? Ben ma foi, avec le beau temps, là on est au bord de l'eau, là à la plage, là on est bien, là les orteils en éventail. T'es à la plage là? Non, je déconne. Non, je déconne, je suis au QR1. Ah ouais, mais attends, je n'ai pas bien compris, c'est où exactement? Non, je déconne, je suis trois coups. Si le jour où la plage sera arrivée chez moi, c'est que là, il y aura un souci, quoi. Il y en a qui auront la tête sous l'eau depuis longtemps, quoi. Non, je suis au QRA, là, à Sainte-Colombe. Ah, d'accord. Attends, parce que je mets le SDR Bordeaux, parce que pour mieux t'entendre. Ok, ben, de mon côté, moi, je suis avec la puissance du poste, et de mon côté, je t'entends vraiment bien, hein. Eric, alors qu'est-ce que j'ai là? J'ai des pointes apparemment annoncées à 104 km/h sur Météo France, là sur le téléphone. Alors moi je suis sur le site de Météo France, je suis sur ma commune de Villers-d'Ornans, ils ont des vents à 60 km/h. Je regarde 65 km/h. Ah oui, toi là, par contre, là, j'ai des pointes, là, 104, là, d'affichés, ouais, c'est... Enfin bon, ouais, ah oui, c'est sur Sainte-Colombe, moi, par contre. Ah, voilà, parce que moi, je suis en Villers-d'Ornans, et c'est des vents qui viennent de sud-sud-ouest, et 65 km/h. Hop là, je crois que quelqu'un a repris le micro. Confetti, peut-être pas, confiture, oui, plus sûr. Non, mais de la grêle, ils annoncent. Ah oui, c'est vrai, elle m'a dit ça aussi, ouais, qu'il est tombé de la grêle. Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Ouais, la station, là, qui lance appel, moi aussi, c'est pareil, j'ai entendu, là, c'était très, très QRP de mon côté. Les 73-51 de la part de l'équipe, là, du QSO du Canal 27. Déjà.
entendez quelque chose, parce que moi j'ai rien. Ben tout à l'heure, oui, mais puis maintenant. C'est tout blanc. Bonsoir. Tout bonjour, pardon. C'est d'où Saint-Morillon. Salut mon petit Fredo, 73, hein. J'espère que tu vas bien. Salut Fredo, c'est Richard. Les 73, Fredo, de la part de Dundee. Oh, tout le monde se gère, hein, c'est déjà pas mal. Les 73 à toi, Fredo. Ben merci. Tant que ça reste calme comme ça, ben nous on demande pas plus. Les 73, Christophe. Personnes, juste 23 personnes là en ce moment sur le web SDR. Ah la vache, oui, putain la vache, ouais, 23, putain j'hallucine. Comme quoi il a eu raison Ludovic, merci Ludovic, si tu en écoutes derrière, d'avoir élargi la plage du nombre de connectés. Là, tu peux vérifier. Moi, en tout cas, je suis tout seul. Même au QIA. Ouais, mais Fredo, là, tu peux regarder. Là, Hachi. Attends, je vérifie. Non, je compte tout seul. Saligo. Ah, ça y est, je le vois. Ok. Allez, 24, ça continue à monter. Oui, monsieur.
Ouais, le siffleur. Bon, ça arrive pas trop là de mon côté. Hein. Bon, est-ce qu'il y a du monde qui veut rentrer pour le QSO national hein? Ça vit déjà. Ou qui veut le sortir aussi, on peut dire, hein, je pense. Ouais, hier soir, c'était calme, hein, on en était trois. Deux, il y avait un tour de contrôle, il y avait Christophe qui restait un petit moment, et puis après, il est parti. Et puis voilà. Ça, j'ai écouté aussi, je crois que c'est des Espagnols. Et ils doivent passer tout près de chez lui. Affirmatif, parce que c'est vrai que j'ai halluciné, moi, quand il a mis le WebSDR en route, le nombre de stations là qu'il pouvait y avoir. Puisque à chaque fois, je m'amusais à essayer d'attraper là sur le poste, et puis non, c'est tout cela passe au pied de chez lui, quoi. Surtout ce week-end. Ah, dans la logique, oui, mais je suis pas sûr. Hein. Ouais, des fois, c'est des frigos remplis de meubles. J'entends des bruits d'ailleurs, là, ça grince, je sais pas trop. Hein. Qui a oublié de mettre de l'huile dans ses articulations? Hachis trois coups. Ah, ça doit être un billet. Il doit y avoir un petit peu de propag aussi, là, j'imagine. Parce que c'est vrai que c'est pas très trop calme. Hein. Ouais, mais alors, vu comme il m'arrive, là, comme un tête de mouche, ça me gêne pas du tout. Hein. Ah, ben moi non plus, au contraire, ça me nettoie un petit peu la fréquence derrière, parce que c'est vraiment très très bas. Hein.